Des montagnes de vêtements neufs ou usagés dans un marché de Harare, la capitale du Zimbabwe. Certains viennent clandestinement de pays voisins comme le Mozambique. Ce genre de marché aux puces fleurissent autour de la ville. Eva vient souvent ici, attirée par la variété de l'offre et les prix. Les prix sont très intéressants, c'est financièrement accessible. Je peux acheter pour toute la famille ici, du mari aux enfants. Dans le centre-ville, les affaires tournent pour ce commerce qui vend des vêtements en provenance de Chine. En revanche, l'industrie locale souffre de cette concurrence considérée comme déloyale. De 35 000 personnes employées dans le textile, ils ne sont aujourd'hui plus que 6 000. On n'a pas de problème avec le fait d'être en concurrence. Il y a certainement des produits pas chers sur le marché international avec lesquels il est difficile de rivaliser sur les prix. Mais notre problème, c'est que ces produits arrivent dans le pays sans payer les taxes. Et même les vêtements donnés par les ONG occidentales contribueraient à la chute de l'industrie locale. En réalité, ils sont vendus dans nos marchés aux côtés de l'industrie officielle. Et par conséquent, au lieu d'habiller des pauvres, ils les appauvrissent en leur faisant perdre des emplois. Le pays a pourtant lancé une politique protectionniste pour protéger son industrie, mais avec peu de résultats. L'industrie locale du textile est la plus protégée du Zimbabwe. Nous avons des taxes sur l'importation très élevées. Et ensuite, nous avons une sorte de régime de protection indirecte. Sur les marchés de Harare, tous constatent que cette politique est inefficace. Si rien n'est fait, douaniers corrompus et mauvaise application de la loi finiront peut-être par avoir raison de l'industrie du textile du Zimbabwe.